Alors, puisqu'on va s'attaquer aux réseaux sociaux et aux jeux, par exemple, que l'on peut dire interactifs pour les enfants, c'est certain qu'il y a de plus en plus d'enfants bêtes. Pourquoi ? Si un enfant, ou alors le bégaiement se déclare très vite, si un enfant est sujet à cette hypersensibilité, hyper-émotivité, hyper-intuition, comme on est censé, nous, avoir bègue, étant donné qu'avec les nouvelles technologies que l'on a de nos jours, les jeux interactifs ne favorisent pas. Parce que nous, bègues, on respire par nécessité, on est toujours en apnée. Et pour jouer, que ce soit un jeu interactif, on est pour gagner, ils sont obligés de bloquer leur respiration. Ils ont une tension, non seulement une tension nerveuse, ils ont les épaules crispées, donc ils vont bloquer leur respiration. Donc ça va favoriser l'avancement du bégaiement. Puisque déjà, on est en apnée, et c'est pour ça que beaucoup d'enfants, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils sont sujets au bégaiement, même voire autres, souffrent de fatigue. Parce que non seulement il y a la tension nerveuse pour gagner, mais il n'y a plus la contrôle, il n'y a plus le contrôle de son corps. Non, il n'y a plus le contrôle. Et la respiration, elle est paralysée. Donc la respiration, elle est paralysée, les épaules sont crispées, le ventre, il est crispé, ils sont comme ça. Il arrive un certain moment où il commence à faire des grimaces, il commence à cligner les yeux. Et s'il est sujet au bégaiement, le bégaiement, il va se déclarer très vite. Très vite. Moi, combien de fois je dis, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme enfant et adolescent bègue maintenant? Tous les adolescents qui sont en stage, c'est inimaginable. Mais c'est dû à ce phénomène. Parce que il y a chat, Facebook ou autre, il n'y a plus du tout de dialogue. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, il y a au SMS et tout. Est-ce qu'ils se rendent compte maintenant vraiment? Vraiment. Les seules vraies rencontres qu'ils ont, c'est sur la toile. Et c'est là où c'est dramatique. Et c'est pour ça que la majorité des adolescents, même qu'ils n'ont jamais souffert de bégaiement, qu'est-ce qu'ils parlent vite? Ils deviennent de plus en plus incompréhensibles. Parce qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de notion. Ils sont uniquement devant du virtuel. Et j'ajouterais, à titre personnel, à mon analyse, c'est que tous ces outils sont un paradis pour les timides. C'est-à-dire le timide devant son écran, il peut tout dire, ce qu'il n'oserait jamais dire aux gens. C'est ça. Et souvent, des insanités. Un exutoire. Je suis dans ma carrière personnelle, combien de conflits j'ai vu apparaître à travers la messagerie électronique, dans les négociations, qui ne seraient jamais apparus en tête-à-tête dans une réunion. Jamais. Parce que le gars, il écrit un mot, mal interprété de l'autre côté, donc réaction immédiate violente, et ça vient très vite. Très très vite. Et moi, je m'étais mis pour règle, dans mes affaires de lobby, donc c'était assez difficile, de ne jamais répondre autrement que je viens pas, je participe à la réunion, par messagerie. Je ne donnais jamais mon avis par messagerie. Voilà. Je donnais simplement mon accord pour venir à une réunion, ou quelque chose comme ça, c'est tout. Parce que, et ça, je parle européen, avec une culture européenne qui vient là-dessus, avec des gens qui réagissent de manière complètement différente, comme les Espagnols, que c'est Hidalgo. Les Suédois, qui eux, ils ont confiance à personne, mais allez gérer tout ça, là, hein. C'est pas compliqué, c'est très compliqué. Donc, pour moi, c'est le paradis des timides, et effectivement, ça ne me surprend pas que pour le bégaiement, ça provoque tout ce que tu dis, dans la mesure, effectivement, le gars, il n'a plus besoin de parler. Alors, donc, il n'a plus besoin de corriger son langage, puisqu'il peut dire ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, ça, c'est... Bon. Bien sûr, c'est aussi un outil qui peut permettre aussi, s'ils sont très bêtes, de dialoguer aussi.
Mais bon, c'est, bien évidemment, ça double tranchant. C'est pas. C'est. Oui, c'est ça qu'on a un balance, le positif et le négatif. Si le danger est plus grand que ce que ça apporte. Moi, je pense que. Je pense que c'est un danger. Bon, moi, je dis bien, à mon sens, parce que plus on va, plus il y a. Plus s'installe un monde virtuel, et plus ça installe, par exemple, des vidéos, conférences et autres, donc c'est aussi ce qu'on peut appeler un monde virtuel, parce qu'après, il n'y a plus de chaleur, on ne sert plus la main, c'est ce qu'on appelle, il n'y a plus de chaleur humaine. Je pense que, moi personnellement, bon, c'est très bien, c'est un excellent outil de communication, mais je pense qu'il ne faut pas trop en abuser non plus. C'est comme vous, des personnes qui dansent, s'ils apprennent de la danse avec sur la toile. Non, c'est pas. Il y a aussi dans la danse, il y a un espace, il y a un temps. Tout doit se mesurer et tout doit avoir une salle. Une salle humaine, en fait. Oui, c'est bon. Excusez-moi, c'est la dernière. Ça va être plaisir. Non, c'était juste raison pour compléter, monsieur le professeur, à côté de cette manière-là. Non, il a raison. C'est qu'en fait, vous nous avez dit, je voulais juste un peu, disons, insister pour la salle, c'est que les Américains, là où ils ont développer l'espace des communications de ceux qui sont tout autour. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Et bien, les Américains, ce qu'ils font, et pour éviter des problèmes au niveau des enfants, et bien, ils se déplacent, ils viennent vous voir. Ils payent les billets d'avion. Ah ben, c'est bien. Ils payent les billets d'avion, ils payent l'hôtel pour vous rencontrer. C'est ça. Voilà le même PC. Bien sûr. À la limite, ils peuvent vous envoyer un mail, non? Mais ils payent les billets d'avion. C'est ça. Et bien, ils viennent à vous. Et ben, disons que c'est bien ce qui s'est passé il y a 3 semaines en arrière. Il y a une délégation de 23 Coréens qui se sont déplacés exprès pour nous rencontrer à Paris, pour le bégaiement. Voilà. Et là, il est certain qu'on aurait pu le faire via physio et autres, on savait ça, mais c'est vrai que rien ne remplace une chaleur humaine. Rien ne remplace un regard. Souvent, le regard va en dire beaucoup plus long que la parole qu'on va dire. Mais c'est ça c'est un sentiment que l'on ne peut pas retrouver derrière la toile. Il y a de toute façon, pour un petit peu aller au-delà, ce qui est quand même extraordinaire au niveau de ces stages, je pense que les anciens stagiaires qui sont là pour me conforter ou me contredire s'ils le veulent, premier jour, c'est une catastrophe pour tous, aussi bien pour les parents que pour les enfants. C'est pas le premier jour, c'est les 2 premières heures, ce que je disais. Et au fur et à mesure, donc, du déroulement du stage, bon, lorsque j'ai emmené mon petit-fils le deuxième jour, je suis bien content d'aller avec toi, j'ai retrouvé mes copains. Et puis le troisième jour, eh bien, tout le monde s'échange leurs adresses et ils gardent donc des contacts. Donc parce qu'ils ont vu physiquement, ils ont travaillé ensemble. Et ils ne veulent pas du tout communiquer par la toile, mais par le téléphone. Ils préfèrent. De beaucoup. Donc je crois qu'effectivement, comme disait André, comme dit Christian, comme moi-même, de toute façon, la meilleure façon de comprendre une personne, c'est de se déplacer. C'est sûr. Rien ne remplace le contact. Il est le contact, c'est quoi? On est là en face, il y a une mesure entre nous, et cette mesure a un temps pour venir vers nous. Et donc ça peut être le temps de réflexion, commencer à parler, qui peut représenter votre inspiration. Il y a d'autres questions sur ce point des réseaux sociaux qui me paraissent très important. Plus de questions sur
Donc là, on va passer au point suivant. Au point suivant. Et donc il va certainement terminer. Donc, présentation des actions de sensibilisation au bégaiement dans les entreprises proposées par l'association Christian Bazar. Il faut savoir que Christian Bazar donc, a été appelé par des entreprises et non des moindres pour faire donc, des exposés sur ce livre. Oui, mais ben, alors disons que c'est vrai que je fais des sensibilisations pour le groupe Suez, la mairie de Paris et autres et autres. Bon. Disons que où c'est vraiment extraordinaire, c'est que si toutes les entreprises pouvaient agir comme ça, faire de la prévention. La prévention, parce qu'ils ont besoin de comprendre. Et à partir du moment, moi je l'ai fait, on prend un exemple à la mairie de Paris pour une personne qui avait un élément très lourd, très lourd, qui est jardinier à la mairie de Paris, en plus qui a un problème un petit peu psychologique. Il a fait un stage avec moi. Ils ont tellement aidé. Parce que non seulement je vais arranger son facteur psychologique, mais je vais arranger son bégaiement. Donc après, la mairie de Paris voulait que je devienne psy à la mairie de Paris. J'aurais dit non, je traduis mon bégaiement. Mais maintenant, pour eux, je fais des sensibilisations. Je me déplace, j'explique ce qu'est le bégaiement, j'explique un petit peu sur l'aspect psychologie, comment se comporter avec une personne qui peut être en situation de handicap, en trouble, mais c'est carrément extraordinaire. Mais si toutes les entreprises pouvaient faire ça, qu'est-ce que ça irait mieux? Qu'est-ce que ça irait mieux? Parce que là, ça, je dis pas que j'ai la science infuse, mais j'essaye de répondre à leurs questions, j'essaye de répondre à leurs demandes. Et je pense que s'ils me sollicitent en permanence, c'est qu'ils pensent que, sans aucune prétention, je leur apporte peut-être des solutions. C'est certain, il n'y a pas beaucoup de bégaiement peut-être dans les entreprises, mais ce qui serait important, le fait que vous y alliez, vous apportez un autre regard. J'apporte un autre regard. Et par cet autre regard, ils vont voir les problèmes qu'ils ont dans leur personnel, dans les échanges entre eux, dans les échanges extérieurs, qui n'ont rien à voir avec le bégaiement, mais qui existent là, et dont ils ne se rendent absolument pas compte. Parce que moi, c'est pour ça que c'est important que vous y alliez. J'ai décelé des choses qu'ils n'avaient pas. Par exemple, comme avec Arnaud, c'est que ça, il n'avait pas décelé du tout. J'aurais dit, il a besoin d'être maternel. Et en définitive, c'était vrai. C'est un employé qui avait besoin d'être maternel. À partir du moment où il arrive en retard le matin, où il faisait un peu n'importe quoi et ça, j'aurais dit, si vous, il a tout simplement besoin d'être écouté et d'être maternel. Il a besoin de ça. Et là, à partir de ce moment-là, tout s'arrange. Ils ont besoin d'un regard extérieur qui peut leur apporter, disons, des solutions aux choses qu'ils n'ont pas vues. Ou alors qu'ils n'ont pas le temps de voir ou d'écouter. C'est très important. Sans trop envie, on pourrait comparer ça, ou je développe ça avec disons, j'ai fait un peu l'invention d'un projet, d'un système qui peut être, en termes, un peu comme un traitement de texte vocal, adapté à ma méthode. Adaptable sur les ordinateurs et adaptable via la téléphonie mobile. Ou en permanence, par exemple, une personne qui va téléphoner, il faut le bégaiement, si le micro entend un bégaiement, il va immédiatement lui donner la solution. T'as oublié de faire ça, que les interlocuteurs, bien évidemment, n'entendront pas. Et pour les enfants, sans trop en dire, c'est fait d'une façon ludique, qu'ils aient envie.
donner envie, que ça devienne en même temps un jeu très ludique, et que ça leur apporte vraiment des résultats. Et ce programme informatique, via l'informatique et la téléphonie mobile, on est en train de développer, ça peut être très très porteur, même pour un suivi de mes anciens stagiaires. Puisqu'en permanence, ils auront ces reflets de rappel de méthodes qui ne seront pas négligeables. Bon, là, disons, ça serait trop audacieux dans mon plus. Voilà. C'est un coach vocal, en fait. C'est une voix qui sert de coach, en fait. Coach informatique. Oui, disons, tout simplement, c'est adapté à ma méthode. Lorsque j'ai fait la proposition de ce projet, qui était bien sûr beaucoup plus développé que ça à André et à Jean-Claude, même chez Windows, ils voulaient me le prendre. En ce qui concerne ce projet, je attend des rendez-vous pour lui. Oui, parce que quand même, il faut reconnaître que l'idée de Christian, c'est ce qu'il veut faire derrière. C'est quand même une activité de recherche au niveau du système extrêmement importante. Donc le partenaire avec qui on négocie, c'est un des laboratoires de recherche humain sur ce domaine-là de l'information, qui est le Cédric, d'accord, avec qui on discute. Et donc on est en train de discuter aussi avec une PME qui se chargerait du développement. Et tout en essayant d'aller après chercher peut-être. C'est mon idée à moi, mais on verra bien, du financement à la Commission européenne. Voilà. Pour financer donc ce développement. Merci beaucoup d'appeler la proposition qui tourne autour de ça. Donc il y a de l'argent, pourquoi pas le bien sûr. Au moins pour financer la PME qui va développer. Et en plus, ce qui n'est pas négligeable également, ça peut être un outil très très porteur, même pour les personnes qui souffrent de la qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin d'avoir une rhétorique suffisamment fiable. En gros, ça peut être adapté au bégaiement, mais c'est aussi beaucoup plus vaste que le bégaiement. Ça peut être aussi pris pour les personnes qui font l'école de journalisme ou les personnes qui font l'école pour apprendre à parler. Les conférenciers, il reste à voir au niveau de la recherche la faisabilité technologique. Elle n'est pas encore complètement assurée. Et puis l'efficacité thérapeutique, est-ce que c'est une aide? Est-ce que ce n'est pas gênant? Il y a deux questions qui se posent. La technologie, est-ce qu'on est capable de suivre l'idée de Christian avec la technologie? Ce qui n'est pas forcément évident. Parce que là... Il manquerait le contact humain. Il manquerait le contact humain. Comment on va le remplacer? Comment il va l'interpréter? Parce qu'il n'est que face à la machine. Il ne pourra pas vous parler, vous poser de questions. On est complètement à l'autre. Toute petite parenthèse. Donc il y a de la recherche à faire, c'est pas fini. Il n'y aura pas le contact humain, puisque ça sera le téléphone, mais le bégaiement sera arrangé. Mais par contre, il n'y aura peut-être pas le côté humain, mais j'en dis pas plus, mais quand même, il y aura quand même l'aspect noétique. L'aspect noétique. Il l'a dit, mais je ne comprends pas. Il y a le noétique et la néotique. Il y a deux choses différentes qui ne sont pas les mêmes. Néotique et noétique. Excusez-moi, monsieur Christian. C'était juste pour dire, disons, et pour donner du côté médical, parce qu'il y a quand même des parents qui sont là. Les parents, ils sont là, c'est parce que. Ils sont inquiets, les parents. Ils sont inquiets. Alors, ce qui recycle les parents qui sont là, parce que les parents, attention, il y a les parents qui sont là. Ce qui recycle les parents, et bien c'est parce que, comme vous êtes entouré de l'Institut du cerveau pour l'enfant, et l'Institut du cerveau pour l'enfant est un institut où les experts qui sont autour de. Attention, c'est d'excellents. D'excellents professionnels. C'est des gens qui sont rebelles. Rebelles, c'est top, ça. C'est top, pas seulement au niveau français, c'est top au niveau européen. Alors,
au niveau européen et aussi au niveau mondial. Aussi. Autrement dit, la crédibilité de ces parents qui vous voyez là, qui sont en colère, parce que tout ce qui est les temps qu'ils ont payés, l'argent qu'ils ont payé, et puis les médecins qui vous disent ça, qui vous écoutent aussi, attention. Donc, et, au niveau médical, eh bien, tous ces gens qui sont là aussi, ils vous font comme confiance. C'est parce que vous avez d'excellents partenaires, comme l'Institut du CEFO et pour l'enfant. Mais certes, mais je pense que les partenaires, ça se mérite aussi. Voilà, encore des questions ? Oui. Excusez-moi, monsieur Christian. Je vais vous mettre. Oui, vous avez des questions ? Oui, moi, je vais mettre l'avocat du diable. Mais je veux quand même faire une expérience à moi. Vous utilisez les outils informatiques. Moi, je suis ex-informaticien, tellement compétent qu'ils m'ont dit. Et attention, vous travaillez sur le neurosensoriel. Vous avez l'écoute, l'écoute osseuse et l'écoute, pavoirienne. Ce n'est pas la même écoute. Vous faites un travail d'autocontrôle, faites attention avec l'informatique. Le MP3, la codification des sons, fait par les outils actuellement, à mon avis, n'est pas bonne. Il faut mieux reprendre les outils d'enregistrement magnétique parce qu'elle altère des fréquences que nous savons identifier. D'accord. Ce que je veux bien vous mettre en garde, l'outil informatique est supplétif, ne peut pas remplacer le média humain. Faites attention, c'est primordial à le dire, hein. C'est primordial. Bien sûr, bien sûr. Là, je ne réponds pas que scientifique, vous avez